tous, mes frères, l'histoire de ce pauvre garçon, le fils d'un riche propriétaire du comté de Capitulation. Et pour protéger sa mère et sa bonne réputation, nous mettrons un X, mes frères, à la place de son nom. Élevé dans la ouate, une parfaite éducation. Jamais dans le village, on avait vu plus beau garçon. Son père avait pour lui les plus grandes aspirations. Il rêvait du jour béni où il marierait son fiston. Je suis désolé, mon père, mais je ne veux pas m'engager avec une fille roturière et avoir une petite fille rangée. Peut-être que c'est à la guerre que je pourrais assouvir toutes mes pulsions meurtrières qui ne demandent qu'à sortir. La guerre qui dure encore aujourd'hui, c'est l'amour aveugle d'un père qui fit naître le conflit. Capitulation déclare la guerre au canton avoisinant. Les fusils se dépoussièrent et c'est X qui monte leur régiment. Et très vite, le sang des victimes coule sur le champ de bataille. X se rend compte de son crime, il renonce à ses médailles, reconnaissant parmi les morts les amis de son enfance. Mon père, aide-moi encore, mets fin à toute cette violence. Je ne suis pas un fin stratège, encore moins homme de courage. La guerre est un sacrilège où les jeunes meurent avant l'âge. Mon fils, j'ai mauvaise nouvelle, un canon n'est pas un jouet. L'ennemi attaque de plus belle, ils ne veulent pas du trait d'épée. C'est nous qui avons provoqué, et leurs fusils ne veulent pas se taire. Alors, fais de toi un vrai guerrier, et montre-moi ce que tu sais faire. Demain c'est premier sur le front. Tant qu'à vivre avec la honte, autant mourir sous le canon. Mais la nuit de l'insomnie, X se tranchera les veines. Spectacle sanglant dans le lit, le père ne montra pas sa peine. Qu'on amène le cadavre hors de ma vue, je le renie, ce n'est pas mon fils. Qu'on le laisse pourrir dans la rue, ce sera là son dernier supplice. Moi, je lui avais donné des ailes, il n'a jamais pu s'envoler. Alors, ne lui faites pas de place au ciel, il fera partie des damnés.
ou du père? D'après vous, qui est coupable